Hello, bonjour, c'est toujours Cathy. Je vais vous montrer sur ce tutoriel comment vous créer un compte Gmail. Je lance donc Mozilla Firefox, histoire de changer un peu. J'utilise souvent Internet Explorer, mais je vous montre aussi avec Mozilla Firefox, ça peut être très bien. Donc google.fr et... Excusez-moi, j'ai tapé Google. N'a rien à voir, c'est google.fr. Gmail fait partie de Google et je fais entrer. Voilà, vous êtes sur Google. Vous souhaitez donc vous créer une boîte mail sur Gmail. Vous l'avez ici. Je clique sur Gmail. Voilà, je n'ai pas de compte, donc je ne vais pas me connecter et je vais créer un compte. Tout comme sur Yahoo, il vous faut remplir donc votre nom, je vais mettre prénom Peter, j'invente, hein, histoire de rigoler un petit peu, Peter Pan, par exemple. Choisissez le nom d'utilisateur, donc je vais mettre pareil, hein, Pan ici @gmail.com. Je suis donc hébergé chez Gmail. Créer un mot de passe, mon mot de passe est utilisé, ça c'est pas trop étonnant. Et je vais rajouter un chiffre à côté pour voir s'il existe. Je vais mettre 250 par exemple. Et je crée un mot de passe. Alors évidemment, là, c'est pris aussi. 250 pour voir. Utiliser. Donc, je vais inventer autre chose. 1250 pour voir. Voilà. Toujours utiliser. Peter Pan. 1250. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Peter Pan 7000, par exemple. On va voir. Hein. Faut essayer plusieurs choses. Voilà, il est utilisé. Alors je vais indiquer autre chose, Peter Pan. Et je vais rajouter mon prénom juste à côté, Cathy. Peter Pan, Cathy. Voilà, j'espère qu'il n'existe pas. Ce nom de passe est attribué, voulez-vous en essayer un autre? Alors je vais faire l'inverse, je vais mettre Pan, Peter. Et je rajoute mon prénom pour voir s'il est utilisé. Créer un mot de passe. Ah, voilà. Pas de souci. Donc, je suis Pan Peter Cathy. Et je suis hébergé chez Yahoo. Excusez-moi, chez gmail.com. Créer un mot de passe. Je vais donc créer un mot de passe que je ne vais pas dire, évidemment. Car c'est personnel pour ouvrir ma boîte mail. Et je confirme le mot de passe en espérant que tout va bien. Parfois c'est un petit peu long de se créer une boîte mail, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser. Voilà, j'indique le jour de naissance. Je vais mettre 14. Je vais mettre août. Je vais mettre n'importe quelle année. 1970. Et je suis une femme. J'indique un numéro de téléphone, 0, au pif 06, je vais mettre mon numéro de téléphone personnel, car je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone, car vous aurez un message pour vous indiquer un mot, un code. Deux minutes. Donc je vais mettre n'importe quel numéro de téléphone, hein, c'est pas un problème. Voilà, au pif. Vous, évidemment, vous mettez votre numéro de téléphone, pas de problème. J'ignore cela et je suis bien Pays France et j'accepte les conditions d'utilisation et je clique sur étape suivante. Voilà.
votre numéro de téléphone, vous avez presque terminé, il vous reste plus qu'à valider votre compte pour commencer à l'utiliser. Voilà, et je le valide. Alors, normalement, ça devrait être parfait. J'espère que ça va aller. Alors, il me dit, validez votre compte par SMS ou appel vocal. Alors, validez votre compte Google. Validez votre compte par SMS ou appel vocal ici. Je clique dessus. Excusez-moi, mais j'ai un peu de mal, c'est la première fois. Que j'ouvre un compte Gmail. Message texte, continuer. Saisissez le code de validation. Je viens donc de recevoir sur ma boîte, sur mon téléphone. Quand même que j'avais un numéro de téléphone que l'on m'a donné, un petit peu. Ce n'est pas le mien, mais c'est obligatoire de mettre un numéro de téléphone pour avoir son code de validation Google et on vous l'envoie directement par SMS. Et ainsi, vous pouvez l'avoir et vous l'indiquer ici. Donc, je vais continuer. Voilà, et il vous dit traitement en cours. Voilà, Peter Pan, c'est moi. Et je vais créer donc mon profil ici. Je clique donc ici. Et je vais dire poursuivre vers Gmail. Voilà, chargement de Peter Pan, cathy@gmail.fr. Voilà comment ouvrir une boîte mail sur Gmail. Alors vous recevez automatiquement des messages dans votre boîte de réception de l'équipe Gmail pour vous dire bienvenue, etc. Les messages que vous pouvez garder pour l'instant, je vous montrerai comment on les supprime et comment on se sert de cette boîte mail. Voilà, pour créer une boîte mail sur Gmail, vous voyez donc votre compte ici et vous vous déconnectez lorsque vous avez fini de créer votre compte et je vous montrerai plus tard comment on s'en sert. À bientôt.